recipe to make my life more comfortable with you. And if I could only make you understand, you gotta calm down, baby. Would you not rather feel the taste of love, hand in hand in no violence? Instead you really make me feel like there's a ratatouille, a ratatouille pumping down my throat. Every day we throw our love away, you and me, ay, yeah. Every day we throw our love away, you and me, ay, yeah. Feel pressure in my brain, I feel it every day, I feel it pumping in my top hat. So if you want me, babe, understand today. Well, you can't carry on like that. But are we tainted in the heart when good things never last? Well, I bet you know the answer. Are we too cold? Too young, are we too old? To find a piece together. Every day, we throw our love away. You and me, ay, yeah. Every day, we throw our love away. You and me, ay, yeah. Bonjour The Two. Bonjour. Bienvenue au live Le Figaro. Merci. Alors, The Two, vous avez sorti un album fin 2010 qui se nomme The Two. Vous êtes un duo, comme votre nom l'indique. Vous jouez un pop-rock acoustique très épuré. Vous avez enregistré, réalisé, joué votre album tous les deux. Et vous arrivez sur le devant de la scène française à un moment donné où on en a reçu plusieurs au live, ces duos acoustiques un peu folk prennent le devant. On a reçu Lilywood and the Prey, Cocoon, The Two. Est-ce que vous avez l'impression de faire partie d'une nouvelle scène de duo émergente en France? Je n'ai pas l'impression. Bien sûr qu'on fait partie de cette famille, parce qu'on est dans la même génération, qu'on a des oreilles et qu'on entend à peu près voilà, tout ce qui se fait et tout ce qui tourne. C'est vrai que nous, on s'appelle The Two. Ça nous a mis très longtemps à trouver ce nom, bizarrement. Donc on est deux, mais on le pense plus comme un groupe. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance que mon partner in crime soit multi-instrumentiste, donc j'ai l'impression d'avoir un vrai groupe avec moi. En une personne, j'ai un batteur, un bassiste, les claviers, les nappes de mélotron. Donc voilà, je pense que The Two, c'est pas vraiment un duo, c'est un groupe. Comment vous vous êtes rencontrés et avez formé ce groupe à deux? On a décidé de faire ce groupe. Moi, je connais Ara depuis 7 ans. Enfin, on se connaît depuis 7 ans. On s'était rencontrés dans une soirée à Paris. Et il y a 2 ans, moi, je savais qu'elle avait une voix incroyable, mais elle n'était pas chanteuse de formation. Et j'ai écrit ce titre qui est « I Wanna Be With You Again »,
où, voilà, que j'ai écrit pour que ça soit un duo. Et j'étais sûr que... Enfin, moi, je pensais qu'elle allait pouvoir le chanter. Donc, je l'ai réveillée un soir. J'ai dit, viens, j'ai enregistré ce titre. J'aimerais bien que tu poses ta voix dessus et qu'on voit ce que ça donne. Et elle a posé en deux prises la voix dessus. Et c'était magnifique. Et puis, on s'est rendu compte que nos voix s'accordaient bien. Et c'est comme ça qu'a germé l'idée de commencer à écrire d'autres chansons. Et voilà, a commencé l'idée que peut-être on pourrait faire un groupe ensemble. Donc ça s'est fait assez naturellement suite à cette chanson qui s'appelle « I Wanna Be With You Again », qui d'ailleurs ouvre l'album, peut-être pour cette raison-là aussi, parce qu'elle est assez symbolique pour nous. Mais vous jouez quand même sur le côté duo. Alors, tu vas me dire que dans des groupes où on peut être quatre, il y en a peut-être quatre qui chantent comme vous le faites, mais on est quand même sur, en tout cas au niveau de la voix, sur un chant en harmonie permanente. Vous interagissez l'un avec l'autre. Donc, comment vous êtes arrivé à cette fibre-là de vraiment tout faire à deux comme ça, et dans ce style musical, parce que tu nous dis que tu as écrit un morceau, que vous êtes trouvé, maintenant il y a quand même une ambiance très définie qui se retrouve sur cet album. Est-ce qu'il y a eu un choix à un moment donné, ou est-ce que c'est venu naturellement? C'est assez venu naturellement, un peu de manière organique, sans qu'on s'en rende compte, parce que c'est aussi l'album de la découverte artistique, musicale de tous les deux. C'est-à-dire qu'on a des influences musicales différentes. Moi, je peux avoir écouté vachement plus de hard ou de rock que l'album ne laisse présupposer. Et donc, en fait, on s'est retrouvés à enregistrer l'album dans un endroit tous les deux, et on s'est adaptés l'un à l'autre dans notre style. Donc, ce premier album, c'est une espèce de premier jet de rencontre artistique entre nous deux, et je pense qu'il va être amené à évoluer, bien entendu, mais aussi à évoluer dans le style. Et pour vos textes qui sont chantés en anglais, comment ça se passe? Qui écrit? C'est un quatre-mains? Il n'y a pas de règles. Et il n'y a pas eu de règle non plus pour la composition. David avait écrit plusieurs chansons avant, parce qu'il fait de la musique depuis beaucoup plus longtemps que moi. Et donc, quand on s'est mis dans ce studio, lui a apporté ses textes, ses compos. On les a réadaptés pour que je puisse les chanter aussi. Et puis, moi, j'ai découvert que j'aimais bien écrire. Donc, j'ai commencé à écrire. Il s'est avéré, grande chance, que David aimait bien ce que j'écrivais. Et donc voilà, donc, l'anarchie a continué, et c'est pas plus mal. Et vous nous racontez quoi avec ces textes composés de manière anarchique? Il y a plein de choses qui sont racontées. Je pense que la mélancolie qu'on sent, qu'on peut sentir sur l'album, c'est parce que ça tourne autour des thèmes un peu principaux, qui sont des thèmes... des sujets de relations, d'absence, de déchirement, des thèmes un petit peu épiques, on va dire. C'est-à-dire que tout le monde a parlé de ces thèmes-là. Et nous, on a pris notre expérience sur ces thèmes-là. Et voilà, donc il y a l'absence physique des gens qui sont plus là autour de nous. Il y a l'absence sentimentale d'un être qu'on a aimé, qu'on garde avec nous, mais qui les rapports se sont transformés. Ça tourne autour des relations. C'est très humain, en fait. David, il y a une anecdote quand même intéressante. Tu restes très pudique par rapport à ça, mais tu es le fils de Jean-Michel Jarre, donc le petit-fils de Maurice Jarre. On est face à la troisième génération de Jarre. On a quand même donc, dans ta famille quelqu'un qui a quasiment inventé la musique de film, quelqu'un qui a quasiment inventé la musique électronique en France, parmi les Français en tout cas. T'as pas un peu la pression là pour la suite? J'y pense pas trop. Non, moi j'aime. De toute façon, j'aime bien l'idée d'une dynastie et puis d'un clan. Et je suis pas forcément. Je rêve comme tout le monde des dynasties et des sensations de filiation et d'hérédité. Je sais pas vraiment si ça existe parce qu'au final. Quand on voit comment il faut se battre pour défendre son projet et défendre ses idées, je pense que tout ne tombe pas cuit dans l'assiette. Par contre, c'est vrai que là, le fait de faire de la musique à la sortie de ce premier album, j'ai pris conscience de la troisième génération qui commençait. En plus, ça s'est passé l'année dernière, et mon grand-père est mort l'année dernière, donc il y a vraiment eu cette espèce de sensation de passage de relais, et je suis assez fier de ça, en fait. C'est tout, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci. À bientôt. À bientôt.
Skinhead, deadhead, everybody gone bad. Situation, aggravation, everybody allegation. In the suite, on the news, everybody dog food. Bang, bang, shot dead, everybody gone mad. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. Beat me, hate me, you can never break me. Will me, thrill me, you can never kill me. Chew me, sue me, everybody do me. Kick me, kick me, don't you black or white me. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. Tell me what has become of my life. I have a wife and two children who love me. I am the victim of police brutality now. I'm tired of being the victim of hate. You're raping me of my pride, for God's sake. I look to heaven to fulfill its prophecy. Set me free. Skinhead, deadhead, everybody gone bad. Situation, aggravation, everybody allegation. In the street, on the news, everybody dog. Bang, bang, shot dead, everybody gone bad. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. Tell me what has become of my rights. Am I invisible cause you ignore me? Your proclamation promised me free liberty now. I'm tired of being the victim of shame. You're throwing me in a class with a bad name. I can't believe this is the land from which I came. Set me free. Skinhead, deadhead, everybody gone bad. Situation, aggravation, everybody allegation. In the suit, on the news, everybody dog. Bang, bang, shot dead, everybody gone mad. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. I wanna see you again, I wanna see you more. I wanna see you again, I need to see you more. I don't wanna fail you, I know you can feel too. Let me be the one again. I don't wanna hurt you, I know when you feel blue. Let me in again. Said bye bye, I wanna be with you again. I can be your misfit, your bedtime band. I wanna be with you again. When you ever feel blue, I'll be the one to set you on your feet again. When you undergo pain, when you feel strange, I'll be the same. I dreamt I was standing up the water's edge. I woke from a dream again, I'd fallen out of bed. And something in my eye, I don't know quite why. Do you feel the same? It's hard to cry, to realize I'm missing you again. Spring.
aching sorrow I'm feeling, I'm on my knees again. Let us take a dance, find a romance, and we will meet again. Again.